C'est quoi ton prénom? Yacine. Yacine. Voilà, je vais pas te manquer de respect, mais à ta tête, ça se voit que tu mens. T'as pris la first avec qui? Avec ma femme. Avec ta femme? Vous êtes avec quel pays? Dubaï. Dubaï? Super, quelle compagnie? Pas business, la first. T'as fait la first. Combien tu as payé? 4 000. Un cadeau, ça, je peux pas dire. Ça, c'est des trucs des mythos, tu sais. C'est une somme assez conséquente. Je suis au 16e rang du spectacle, mais... Hein? Ah, c'est le CE qui a payé. Ah, ça va, ça va, ça va. Il y a aussi la dame aussi qui sait qu'elle vous avez applaudi. La first. La first, il va c'est quoi ton prénom déjà? Yacine. Yacine, il va témoigner. Et vous, madame, c'est quoi? La first. Attendez, je vais attraper les mots. Là, je l'attrape. Hop, je vous ai attrapé. Oh la vache. Ça va, vous allez bien? Putain, on est en plein spectacle. Ça, c'est de la pro, non, venez, monsieur, venez, venez, venez. Ah, venez, venez. Je vide le verre. Non, juste, tu viens avec moi. Je suis obligé, je te présentais. Allez, viens. Ah, ça, c'est l'impro. Il est là. C'est beau, c'est beau. Je t'ai attrapé, frérot. Le ça, c'est le voisin. Allez, pause. Une pause, mais une très, très belle pause parce que vous avez dépassé les 100 000 abonnés. Et pour vous remercier, je vous mets une vidéo longue. Elle fait plus de 10 minutes. Allez, paf. Merci de vous être abonné. Merci d'avoir liké. Merci de commenter. Voilà, moi, ça me donne la force. Et je vous donne des vidéos parce qu'on n'a qu'une seule parole. Bonne dégustation, bonne lecture. Kiffez. Allez, paf. Non, mais tu vas t'asseoir. Non, tu vas pas courir, frérot. Tu vas voir. C'est quoi ton prénom? Igor. Igor, tu m'as niqué mon spectacle, Igor. Tu tripes plus les dimanches après-midi à 17h30. Non. Sinon, Vincent, il va te manger. Tu vois Vincent, là? C'est le gros au premier rang. Igor, allez. Tu vas venir avec moi en Turquie. Vas-y, Igor. Je vais les attraper comme des petits rats. C'est des voisins, ces fils de pute. Quand je joue mon spectacle, ils viennent avec leurs bouteilles. Paf, paf. Ah ouais, je vais vous niquer, moi, bande de fils de pute. Je vais faire mon footing. Rase la tête, Zébé. Quand tu veux. Ouais, c'est lui. Je suis écolo, après je cours. Parce que je me sens léger quand je mets les bouteilles dans la poubelle verte. Je me sens un autre homme. C'est Igor, salut, c'est Igor. Je peux pas, c'est footing. Waouh. Tu sais, tu veux l'écrire ça, tu peux pas. Mais il n'y a que moi, ils disent des trucs comme ça. Tu vas voir les autres spectacles, les gens, ils sont là. Ça rigole même pas, c'est comme ça. C'est très marrant. Comment il s'appelle? Je sais pas. Il fait que des rires d'intérieur. C'est bien. C'est cool. Wow. Tu rigoles, ils sont en train de te niquer. C'est que c'est vrai. Elles n'ont pas fait le voyage pour rien, les Marseillaises. Elle s'est dit, j'ai payé la billet de train, l'hôtel, les queues. Ah, je vais rigoler jusqu'à ce que... La Formule 1, cousine. Elle est en train de mourir. Le cri de la fin. Ça va, vous allez bien? Vous êtes au courant, le premier rang, je suis désolé. Vous avez voulu, vous ont proposé à l'entrée. Vous avez dit, oui, on veut, on veut. Tu veux, madame, hein? Ça va, monsieur? C'est elle qui a voulu. Ouais. Elle a voulu, ça va tomber sur toi, frérot. À la tête que tiens, je suis obligé, frérot. Il m'a mis une tête de turc, frérot. C'est quoi ton prénom? Yacine. Yacine, t'inquiète pas, on va te... Ta tête, elle est bien ronde. Voilà, j'ai envie de voyager. La vie de ma mère, j'ai envie de faire le tour de ta tête. Il y avait un monsieur tout à l'heure, je l'ai vu, avec la coupe de cheveux bizarre. Il est là, frère. La vie de ma mère, ils l'ont mis sur le côté, il était debout. On aurait dit un soldat à la reine d'Angleterre. Frérot, enlève ton chapeau. Il m'a dit non, c'est mes cheveux. The cure du bled, ça.
frérot, t'as une coupe. Non, c'est pas qu'il faut couper. C'est que quand comme tu es devant, la meuf derrière toi, elle est comme ça. Et j'ai payé plein pot, je vois la moitié du spectacle. Annie, il y a une cigogne qui va se poser, cousine, qui va faire deux œufs, qui va repartir. National Geographic, ils arrivent, deux caméramans. C'est quoi ton prénom? Tu m'avais dit. Bilal. Les parents disent rien. C'est que moi, mon père Smaïn, je rentre avec cette coupe, voilà. Je tiens pas 12 heures dans la maison, voilà. Égorgé, je suis retourné à côté du mouton de l'Aïd, dans la salle de bain. Belle coupe, belle coupe. Il rigole, il est mort de rire. Toi, frérot, tu veux pas la faire cette coupe? Ben oui, la calvitie. Non, ça se voit, tu as forcé ta femme. Toi, tu voulais rigoler, elle est dégoûtée. Elle est là avec son sac. Voilà, elle est en position, tu n'as pas envie de rigoler. Elle voulait pas venir? Tu es énervé un petit peu? Introverti. Non, mais il n'y a pas de souci, cousine. T'inquiète pas, on va faire des blagues, on va essayer de te faire rigoler. Mais je te vois là, tout le monde rigole, sauf toi, on dirait que je suis au musée Grévin. Voilà, tiens. Alors, elle a écrit qu'elle était dans Squid Game. Si je la vois et qu'elle bouge, je la tue. Coconé. Voilà, elle va gagner le jeu. J'ai peur, je joue, je me retourne, elle est là comme ça. C'est quoi ton prénom? Elora. Enora. Elora, super. Je connaissais pas. Je connaissais Laura, je connaissais Enora. Mais Elora, c'est italien. Et monsieur Elora, c'est Kevin. Ça va, Kevin? Kevin, ouais, Kevin, il veut jouer, ouais. Kevin! Quelle origine, Kevin? Guadeloupéen. Guadeloupéen, super, on a Martinique là-bas. Après, on organise une bagarre. Celui qui gagne, il repart avec Sherazade. Tu t'es déjà venu avec Sherazade, tu peux la perdre. C'est un bon combat, ça, on voit. Yeah! L'amour de Sherazade. Il s'en fout, lui, avec Elora, voilà. Elle ne veut pas lâcher le sac, voilà, ça se voit. Ça se voit qu'à toute la paye de la semaine dedans. Ça va, Elora, elle est venue avec son daron à côté. Ça va, monsieur? Je dis, on dirait son daron, il a colle de ouf. Ça va, monsieur? Oui. Vous allez bien? Oui. C'est quoi votre prénom? Oui. Oui? Il y a des publics de fous, hein, prénom, oui. Nom de famille? Non. Ludo, ça va. Ludovic. Dovic. C'est vrai, tu fais du sport, tu fais quoi? Du badminton. Tac. Mais vrai sport de fils de pute, badminton. Plus que le ping-pong. Mais tu t'es vu jouer au badminton ou pas? Tu fais des mouvements là. Le truc qui s'appelle le volant. C'est ça ou pas? Oui. Mais c'est même pas un volant, c'est un petit truc. Petite boule de ping-pong avec des plumes. On dirait qu'elle était au Crazy Horse. Le... Ça va, vous allez bien, premier rang? Vous savez comment ça se passe, hein? On est obligé, hein? Vous avez voulu vous asseoir là? Non. Vous n'avez pas choisi. Attends, je parle à lui, tranquille, Jeff, parle à toi. Je parle à lui, fais parler la dame, normal, doucement. Ça, j'arrive, doucement. Tu veux pas te mettre au premier rang avec une sacoche sur le côté si t'es pas Marseillais? T'es Marseillais? Non, mais qu'est-ce que tu fais avec la sacoche, frérot? Fashion Week, il y a toute ta vie dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche, Gino? Rien, les clés de la voiture. Les clés de la... C'est quoi comme voiture que tu as zébé une grosse sacoche? Il est venu en charrette, il a un trousseau de clés. Tu dois avoir une arme à feu, c'est pas possible. T'as un sac plus gros que le sac de ta meuf, c'est clair. Et ça, allez-vous, il y a des places ici? Retardataire, ben ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'Orléans. Oh, boum. Ben, bravo. Salut-vous, ouais, salut-vous. C'est quoi, c'est dur de ce gars? Ben, Orléans, c'est loin, 16e siècle, tu arrives de là-bas. Elles sont arrivées, elles ont vu l'électricité, waouh, le Moulin Rouge. Elles sont trompées de théâtre, elles sont rentrées, elles ont vu un mec. C'est pas un micro, c'était un zeb qu'il avait à la main. Ben, je t'ai vu, frérot, tu es au premier rang. Casquette Dragon Ball, pull Dragon Ball. Je vais pas te rater. T'as quel âge? 30 ans. 30 ans? 35 ans? Eh, hey, il s'est arrêté de compter à 30 ans. 30 ans. Là, elle a sa femme, 35. Ouais, 35.
Frérot, tu sais qu'il y a une loi, dès que tu dépasses un certain âge, tu t'appuies plus en Dragon Ball. Tu peux. Il est venu en Sangoku, le fils de pute. Ça va, on est content. Je te dis, arrête avec tes mangas de merde. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Il a fait un débrief avec sa femme. Oui, elle est bien, elle est vraiment. On regarde les vidéos, mais là, c'est mieux en vrai. Eh oui, c'est mieux en vrai. Lève la veste, il n'y a pas chaud. Non, je suis prêt au cas où. Au cas où quoi? Il m'a parlé comme s'il était armé. Je suis prêt au cas où. S'il faut te rafaler, fils de pute. Wesh, Caris, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, madame? Elle est en train de mourir sous une veste. Non, ça arrive. Ouais, elle kiffe, eh bien oui. Ah, c'est un mec en plus. Ah, t'as un rire de salope, frérot. C'est mentir. Tu t'es caché? Putain, c'est un spectacle d'à côté qu'on entend ici ou quoi? Vous avez pas suivi, madame? Eh oui, vous êtes sur votre téléphone, madame. Eh oui. En fait, quand vous regardez votre téléphone, il y a le rétro-éclairage, on voit votre gueule comme ça. Ça va, monsieur? Vous avez passé un bon moment? Comment vous êtes retrouvé ici? Marseillais? Toulon, c'est à côté, c'est pareil. Toulonnais. Voix de voix, ouais, impeccable, moi, j'ai passé un bon moment ici avec vous. Et madame toulonnaise aussi? Non, parisienne. Parisienne. Et le Toulonnais, tu t'es installé ici? Non. Non, ben ouais, ça se voit. Tu es venu un petit moment... Le week-end. Voir la copine? Oh, yes. Et ça va, ça t'a passé un bon moment? Tu es venu voir aussi le spectacle ou... Ah, je suis venu faire les deux, hein. On rigole un peu, après, femme qui rit. Et moi, je la massacre dans mon lit.